Alors, merci beaucoup Marc pour cette introduction et cette petite présentation rapide. Alors, d'abord, bonsoir. Je suis très heureux d'être ici une fois de plus. Alors, c'est malheureusement la dernière fois, mais en tout cas dans le cadre de la chaire Francky. Et j'ai pour cette dernière séance, je me suis dit qu'il était important de prendre un objet peut-être emblématique, dirais-je, de la question des politiques éducatives et de l'efficacité, et notamment sur la question des inégalités scolaires, pour considérer donc ce qu'on appelle l'éducation prioritaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais, puisque c'est la dernière séance, encore une fois, remercier à la fois la Fondation Francky, parce qu'il m'a permis tout de même de venir ici et de faire ces conférences, d'avoir un public large. Pas toujours discipliné, c'est vrai, mais enfin bon, ça fait partie de la vie. Qui aussi m'a permis de vivre je dirais, cette aventure intellectuelle qui est de présenter un certain nombre de travaux à partir de questions extrêmement précises pour essayer de donner des éléments à la fois factuels, à la fois théoriques sur les grandes questions qui intéressent l'éducation. Je voudrais aussi remercier l'Université de Mons, donc, qui m'a accueilli. Je voudrais remercier aussi la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, et notamment le professeur Marc Demeuse, qui s'est occupé de moi pendant tant de fois, qui était toujours là pour évidemment me guider. Et puis je voudrais aussi, et c'est important, remercier son équipe, parce qu'elle a été extrêmement mobilisée, hein, sur cette question de la chaire Francky, à la fois pour l'organisation, je dirais, pour les inscriptions et tout ce qui s'ensuit. Donc je voudrais remercier Anne Sénécal qui, plus d'une fois, m'a drivé à fond la caisse, si j'ose dire, en revenant de la gare, en arrivant à la gare, parce que j'étais en retard, par la faute des trains. Je voudrais remercier Fanny Merchez aussi, qui s'occupe de la vidéo et des prises de vue, qui elle aussi est extrêmement attentionnée et efficace. Et puis je voudrais aussi remercier Nathanaël Friant, qui m'a aussi aidé plusieurs fois dans mes démarches et dans la mise en œuvre de cette chaire Francky. Voilà. Alors pour passer sur la question de fond, en fin de compte, qui nous intéresse ici, c'est la question de l'éducation prioritaire. Alors je dirais que lorsqu'on s'intéresse à l'analyse et surtout à l'évaluation des politiques d'éducation, il me semble que l'éducation prioritaire est une sorte de passage obligé. Je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de l'éducation prioritaire si, lorsqu'on s'intéresse à la fois à la question des politiques éducatives, de leur efficacité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles produisent en fin de compte, est-ce qu'elles atteignent leurs objectifs? Et surtout si évidemment on se questionne sur la question des inégalités scolaires. Alors je pense que c'était donc important de conclure ce cycle de conférences par cette question. Il y a beaucoup de sources évidemment qui concernent cette éducation prioritaire. J'ai essayé d'en faire non pas une synthèse exhaustive parce que je pense que ça serait un peu rébarbatif, mais j'ai essayé de prendre un certain nombre d'éléments qui permettent de donner, je dirais, un certain nombre d'éléments importants sur les conséquences de ces politiques. Et puis on va aussi réfléchir sur les principes, peut-être, de ces politiques. Alors pourquoi est-ce qu'on fait de l'éducation prioritaire, après tout? Pourquoi est-ce utile? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est utile? Bon. Et si l'on pense que c'est utile, qu'est-ce que l'on fait pour les mettre en œuvre? D'abord, moi, je dirais un premier point sur la façon dont on met ou dont on pense ces politiques d'éducation prioritaire. Très souvent, pas toujours, on le verra, cela part d'un ce que j'appellerais un diagnostic territorial, c'est-à-dire un diagnostic qui prend pour base l'idée que dans le système éducatif, dans les différents établissements, etc., il y a des phénomènes ségrégatifs et que ces phénomènes ségrégatifs sont à la base d'un certain nombre de produisent en quelque sorte des phénomènes scolaires non voulus, produisent plus d'inégalités, d'accord, et que de ce fait, avec ce diagnostic, on se questionne pour savoir comment est-ce qu'on va agir pour
éviter le plus possible que ces effets délétères de la ségrégation agissent sur, je dirais, les acquis des élèves. Donc ça, c'est un premier point. On verra que l'éducation prioritaire peut prendre d'autres bases, mais en Europe, en tout cas, à ma connaissance, c'est un point central, me semble-t-il, qu'il faut souligner. Le deuxième aspect, c'est que l'éducation prioritaire, c'est une politique qu'on pourrait appeler compensatoire. On va compenser. Alors la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'on va compenser. Je dirais, et c'est peut-être très souvent le problème qui se pose avec ce type de politique, on va essayer de compenser plusieurs choses qui probablement vont se cumuler. Alors, on va compenser des inégalités d'acquis, ou en tout cas des inégalités de départ entre élèves. On se dit certains élèves sont plus faibles que d'autres, ont un capital culturel, je dirais, plus éloigné de la culture scolaire que d'autres, etc. Et du coup, il va falloir en faire plus pour ces enfants, en faire plus pour ces élèves, de façon à ce qu'ils rattrapent au moins en partie ce retard. Très bien. Donc ça, c'est une première forme de compensation. Mais on va voir aussi, et je l'ai dit au tout début, que c'est aussi compenser les effets délétères de la ségrégation. C'est-à-dire, on part aussi d'un constat en disant le fait qu'il y ait ségrégation dans les établissements scolaires, cela produit des effets particuliers. Si la ségrégation n'existait pas, si tous les élèves étaient répartis, de façon équivalente dans tous les établissements, les inégalités scolaires seraient moins fortes. C'est un peu ça aussi le constat, le point de départ des politiques d'éducation prioritaire. Et donc, en fin de compte, on va renforcer les moyens que l'on attribue à telle ou telle école, à tel et tel collège ou à tel et tel établissement pour compenser ce double handicap, en quelque sorte, le handicap individuel que peuvent avoir les élèves par le fait même de leur origine sociale, migratoire ou tout ce que vous voulez, très bien, et aussi le fait de compenser l'inégalité liée au fait qu'on met ensemble des élèves qui ont un background scolaire peut-être plus faible qu'ailleurs. Donc il y a cette double, je dirais, dimension qui, me semble-t-il, est extrêmement importante. Troisième point qui permet peut-être d'introduire un peu la question de l'éducation prioritaire, c'est que on va agir sur plusieurs leviers reconnus, d'accord, comme étant efficaces pour lutter contre les inégalités et pour favoriser, je dirais, la réussite des élèves. Donc, l'un de ces leviers, mais ce n'est pas le seul, bien sûr, c'est d'agir, par exemple, sur le nombre d'élèves par classe. On peut très bien se dire, il y a des classes dans lesquelles il est plus complexe d'enseigner, et pour les élèves, il est plus difficile d'apprendre parce que la plupart des élèves ont un niveau scolaire relativement faible, et de ce fait, si l'on diminue le nombre d'élèves par classe, on va améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Bon, c'est un raisonnement sur lequel peut-être on pourra revenir, mais me semble-t-il, c'est l'un des outils que l'on utilise. Alors, que ce nombre d'élèves par classe soit simplement, on dit les classes sont à 20 élèves au lieu de 25, par exemple, ou que on divise les classes, on fasse en sorte que les classes puissent être divisées en groupes, par exemple des groupes de niveau, dans lesquels on va enseigner plus particulièrement tel ou tel acquis ou telle connaissance ou telle partie du programme, de façon à enseigner de façon plus efficace. Donc ces leviers, le nombre d'élèves par classe, les moyens pédagogiques supplémentaires, des projets d'établissement, la mobilisation des équipes et des équipes d'enseignants, ça aussi, c'est un point qui est et qui fait partie des outils que l'on utilise communément dans le cadre de ces politiques. Donc, on a là, dans ces politiques d'éducation prioritaire, me semble-t-il, souvent un condensé, en quelque sorte, de tous les leviers possibles pour limiter les inégalités, de façon à faire en sorte que les élèves, au départ les plus faibles, progressent malgré tout et acquièrent un certain nombre d'acquis et de connaissances dans le domaine scolaire. Alors, les questions que l'on va se poser sont extrêmement classiques, veuillez m'en excuser.
Mais il me semble qu'on peut difficilement sortir des sentiers battus lorsqu'on parle de ce type de politique. D'abord, il me semble important de raisonner, de réfléchir sur les principes. D'accord ? Qu'est-ce qui fait que on va mettre en place ou on va penser qu'il est une bonne politique que de compenser un certain nombre d'inégalités scolaires. Bon. Pour certains, c'est une évidence. Hein. Pour certains, on va vous dire ces inégalités sont inacceptables et du coup, il est absolument indispensable d'agir contre ces inégalités. Puis d'autres vont vous dire, je crois en avoir parlé lors de ma première conférence, d'autres vont vous dire, mais les inégalités scolaires, c'est tout à fait normal, c'est pas lié à l'école, c'est lié à toute autre chose, c'est lié à la stratification sociale, c'est lié au fait que les élèves ne sont pas éduqués dans les mêmes milieux sociaux, et du coup, eh bien, ils sont inégaux devant l'école. Bon, donc on va voir un peu de quoi il s'agit, et surtout on va essayer de réfléchir sur l'opposition, entre guillemets, entre des politiques qui seraient égalitaires, entre guillemets, et les logiques d'équité. Il me semble que ça, c'est intéressant de développer un peu sur ce point. Ensuite, on verra comment ces politiques sont mises en œuvre. Alors, j'ai mis dans divers contextes nationaux. En fait, je me suis centré sur la France parce que c'est le cas que je connais le mieux. Mais j'ai fait quelques incartades, si j'ose dire, dans d'autres pays, de façon à donner plus d'éléments comparatifs à cette réflexion. Et puis enfin, me semble-t-il, il est important de questionner les effets. Je crois que dès lors que l'on se questionne sur une politique, on en questionne les effets. Qu'est-ce que produit ou qu'est-ce que produisent ces politiques? Comment est-ce qu'on peut évaluer les effets? On va voir que sur la façon d'évaluer ces politiques, on va voir que c'est souvent assez complexe. C'est-à-dire que, d'abord, on n'a pas toujours les éléments factuels, bien sûr, mais même si l'on a les éléments factuels, les analyses sont relativement complexes à retenir. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai pris évidemment plusieurs sources. J'en cite quelques-unes, pas toutes, parce qu'il n'est pas intéressant de vous balancer des bibliographies, mais il y a l'ouvrage qui est en deux tomes, je crois. J'ai cité celui de 2008, mais il y a un deuxième tome qui est sorti, de Demeuse, Frangy, Grégère et Rochex, « Les politiques d'éducation prioritaire en Europe », qui est publié aux éditions de l'INRP, je parle sous le contrôle de Marc, et qui est un ouvrage extrêmement intéressant parce qu'on a des éclairages très diversifiés, internationaux, sur la question des politiques d'éducation prioritaire, et où on voit bien à la fois leur diversité quand même, c'est-à-dire des formes qui peuvent varier évidemment selon les contextes nationaux, voire locaux, et en même temps, des principes qui restent relativement communs. Ensuite, je me suis inspiré d'un ouvrage de Bénédicte Robert, qui est plutôt une politiste plus qu'une sociologue, et qui s'appelle, enfin qui a pour titre « Les politiques d'éducation prioritaire, les défis de la réforme », qui s'applique au cas français, et qui est un ouvrage, me semble-t-il, extrêmement intéressant, parce qu'il décortique les éléments, comment dire, de mise en œuvre, à la fois les principes et puis surtout les mises en œuvre de cette politique et qui permet de voir pourquoi et comment cela produit tel ou tel effet sur les inégalités scolaires. Donc ça, c'est intéressant. Par nature, ce genre d'ouvrage et ce genre de réflexion porte sur un pays dans la mesure où il s'agit de décortiquer, je dirais, avec précision, les éléments de mise en œuvre de cette politique. Et puis évidemment, il y a d'autres sources. Je cite ici le numéro spécial de la Revue française de pédagogie de 2012, qui est là aussi un ensemble d'articles sur cette question-là, avec des articles de Gamoran, d'un sociologue américain, Gamoran, qui travaille notamment sur ces questions-là. Et puis, je me suis aussi inspiré d'autres travaux. Par exemple, sur le cas de la France, on a beaucoup de rapports sur l'éducation prioritaire, et ces rapports sont extrêmement riches d'informations et aussi extrêmement riches d'enseignements parce qu'ils montrent souvent à la fois les ambitions de cette politique, parfois aussi les carences de cette politique parce que parfois ça ne marche pas, et surtout ce sont souvent des rapports qui
mettent en œuvre, comment dire, des propositions, qui produisent des propositions pour relancer cette politique. Eh bien, nous avons constaté que tel et tel aspect allait mal, eh bien, on conseille d'aller vers telle ou telle voie. Et ça, c'est extrêmement riche d'enseignement, puisque ça permet de réfléchir sur à la fois, enfin, non seulement, je dirais, les bilans, mais aussi de réfléchir sur les actions que l'on peut mener et que l'on peut conduire pour aller plus loin. Donc là, je vous présente un peu le plan. Peut-être que j'en ai assez dit. J'aborderai les principes, je l'ai dit, le cas de la France, parce que je le connais le mieux, les effets. Et puis, peut-être en quatrième partie, je me suis dit qu'il était important de présenter les alternatives à ce type de politique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut concevoir comme politique qui évite un certain nombre d'écueils de la politique d'éducation prioritaire. Alors d'abord, la question des principes d'équité. Je me souviens quand l'éducation prioritaire a été mise en place en France, alors c'était relativement tardif par rapport à l'Angleterre par exemple, puisque en Angleterre c'était dans les années 60 je crois, en France ça a été dans les années, au début des années 80, j'y reviendrai. Et l'un des débats, si vous voulez, qui était mis sur le tapis, en quelque sorte, c'était de savoir si il était concevable d'entreprendre une politique, je dirais, qui serait une politique, entre guillemets, de discrimination positive. On employait ce mot aujourd'hui, on l'emploie un peu moins, me semble-t-il, à propos de l'éducation prioritaire, mais ça avait été une sorte de l'un des slogans, en quelque sorte, avec l'autre slogan « Donner plus à ceux qui ont le moins hein, », ça avait été un principe qui avait été mis en avant. Et cette politique ou ce principe de discrimination positive, de quoi il s'agit, en fin de compte, très simplement? Alors, il y a un premier point qui est important et qui est un point de contexte. L'éducation prioritaire, c'est toujours une politique qui accompagne une extension des scolarités, une démocratisation de l'accès à l'enseignement, une massification de l'accès à l'école. Je crois que ça, il faut le souligner. J'y reviendrai pour le cas français tout à l'heure. Mais c'est une façon de dire on ne peut simplement augmenter le nombre de places ou le nombre d'écoles ou l'accès à tel ou tel niveau de scolarisation. On ne peut pas se contenter de ça. Il faut aussi accompagner cette démocratisation de façon à ce que celle-ci soit réelle. En d'autres termes, dans une société ou dans un système éducatif où vous n'auriez que, 30% des élèves ou d'une génération qui accéderait à l'enseignement secondaire, par exemple, hein, et où donc 70% sortiraient du système éducatif à la fin de l'école primaire, eh bien, l'éducation prioritaire n'aurait strictement aucun sens. D'accord ? On ne fait de l'éducation prioritaire que si on a un objectif politique majeur qui est d'étendre la démocratisation de l'enseignement. Donc ça, c'est vrai, je dirais, logiquement, en quelque sorte. C'est vrai aussi historiquement et politiquement, dans le sens où, me semble-t-il, l'un ne va pas sans l'autre. Deuxième aspect, me semble-t-il, important, c'est le principe « donner plus à ceux qui ont le moins ». Je souligne ici, dans mon PowerPoint, que il s'agit d'un slogan. Je trouve que c'est un peu un slogan dans la mesure où c'est un peu un thème qui a été un peu ressassé. Et donner plus à ceux qui ont le moins, ça veut dire quoi? Eh bien, si on le décode, hein, cela signifie simplement que ceux qui subissent une discrimination négative, hein, c'est-à-dire qui pâtissent du système d'une façon ou d'une autre, eh bien, on doit compenser cette discrimination négative par une discrimination positive, de façon à ce qu'ils aient les mêmes chances, hein, des chances équitables, comme on peut dire, de réussite, d'accès au savoir et d'accès aux acquis scolaires. Donc c'est un principe qui, je dirais, se rapproche ou s'inspire du principe de Rawlsien de l'égalité équitable des chances. On est dans un principe qui va nous dire l'égalité, la simple égalité des chances, est un principe trop abstrait, c'est un système ou c'est un,
comment dire, une base qui définit les choses trop abstraitement. D'accord. Il ne suffit pas que les élèves accèdent à un certain niveau d'éducation ou à un certain niveau, je dirais, d'enseignement pour qu'ils aient réellement tous les mêmes chances de réussir, pour qu'ils aient réellement les mêmes chances de réussir, eh bien, il faut en quelque sorte compenser au moins en partie les inégalités de départ et de ce fait, on va proposer des actions qui seraient inégalitaires en quelque sorte, mais au bénéfice des plus défavorisés. Donc l'idée, c'est que on va, si par exemple on prend le cas de la dotation en moyens des établissements scolaires, on va avoir une action inégalitaire au sens où on va dire on va donner plus de moyens dans tel établissement plutôt que dans l'autre. D'accord. Mais ce principe inégalitaire est accepté et acceptable parce qu'il se fait au bénéfice des plus faibles et non pas au bénéfice des plus forts. D'accord. Bon. Donc c'est un peu ça qui prévaut dans l'éducation prioritaire. Et je pense que c'est un point qui est important, puisque je pense que c'est ce qui guide encore aujourd'hui ces principes-là. Alors tout à l'heure, j'ai dit que très souvent, l'éducation prioritaire était plutôt territorialisée. Bon, en fait, ça n'est pas totalement le cas. C'est vrai, me semble-t-il, en Europe, dans la grande majorité des cas. Mais il y a d'autres formes, évidemment, d'affirmative action. Une affirmative action à l'américaine, par exemple, si je mets ça entre guillemets, qui va s'appliquer plutôt à des individus. Donc on va dire, cette éducation prioritaire, c'est-à-dire un certain nombre d'actions favorables pour, favoriser les acquis, favoriser les apprentissages, va s'appliquer à des individus en fonction de leur appartenance à une minorité. Donc minorité raciale, en l'occurrence, souvent aux États-Unis, minorité ethnique, souvent aussi aux États-Unis, très bien. Et ces minorités, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi? Quel est l'argument qui justifie cette action vis-à-vis d'individus de par leur appartenance à une minorité? Eh bien, c'est la même idée que ce que j'ai énoncé tout à l'heure. Certaines minorités ont été victimes de discrimination. Voilà. Discrimination fortement ancrée dans la société américaine, puis on parle des États-Unis par exemple, et ces discriminations négatives, eh bien, il faut les compenser. Il faut les compenser d'autant plus qu'elles se cumulent avec le temps. C'est-à-dire que depuis des générations et des générations, des minorités raciales font l'objet de discriminations, de mises à l'écart, ils n'ont pas accès, ou ça fait pendant très longtemps, ils n'ont pas eu accès à une éducation digne de ce nom, à des écoles, à un enseignement secondaire, à des universités, ce qui fait que ces groupes sociaux ou ces groupes raciaux, eh bien, sont discriminés de façon extrêmement forte, d'accord, qui, en plus, phénomène qui s'accentue avec le temps. Et donc l'idée, c'est de compenser ces inégalités par une action. Alors, les choses les plus connues, c'est à propos de l'accès aux grandes universités américaines. Beaucoup d'universités américaines ont mis en œuvre des programmes qui s'adressaient aux minorités, aux jeunes ou aux étudiants de ces minorités, de façon à les favoriser dans l'accès l'enseignement supérieur. Et donc, on a vu par exemple, dans les universités telles que Berkeley ou d'autres, eh bien, un système d'admission qui favorisait les plus défavorisés, d'accord, c'est-à-dire qui favorisaient les ressortissants des minorités pour accéder à cela. Alors il y a d'autres formes de discrimination ou d'affirmative action individualisée. Ça peut être, donc, je l'ai dit, dans les universités, ça peut être aussi le buzzing, par exemple. C'était une forme, puisqu'on déplaçait des élèves, d'accord, de par leur appartenance à une minorité, dans d'autres établissements, pour faire un travail de déségrégation, par exemple. Et donc, on a là un principe qui est extrêmement intéressant, qui ne marche pas toujours, bien sûr, j'y reviendrai, mais qui s'applique donc à des individus et non pas à des territoires. Dans la version européenne, on a plutôt des choses qui s'adressent à des territoires, à des établissements,
et sans s'adresser directement à des individus. On va voir que, comment dire, si on réfléchit pour savoir mais pourquoi c'est comme ça, hein, pourquoi c'est plutôt territorialisé ici, plutôt individualisé là-bas, cela renvoie évidemment à des conceptions à la fois de l'individu, de la société, des groupes, de la nature aussi de l'action publique. On n'imagine pas, ou très très peu, très marginalement, pardon, dans des pays comme la France, par exemple, d'avoir une action, une affirmative action sur des individus de par leur appartenance ethnique ou raciale. J'allais dire, ça ne se fait pas, je dirais plus, je dirais que ça serait vécu comme quelque chose, un acte quasiment raciste, je dirais, dans le sens où on distinguerait des individus en fonction de leur appartenance raciale. Bon. Donc, il y a en France des débats très, très vifs, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais en tout cas, c'était pour vous dire qu'il y a des valeurs extrêmement profondes qui sont mises en jeu dans ce système-là. Alors, quels sont les principes de l'éducation prioritaire territorialisée? Je vais me centrer là-dessus, puisque je vais plutôt me centrer sur l'Europe. Il y a d'abord une idée d'une action ciblée. Alors là, j'ai mis sur des populations spécifiques qui subissent un désavantage. On va dire que ces populations vont être définies en fonction de leur situation territoriale. D'accord ? Ça, c'est un point qui est très important. Et donc, on se dit, il y a des situations défavorables aux apprentissages, il y a des situations défavorables, je dirais, liées à des contextes scolaires particuliers, et notamment à des situations de ségrégation, et il faut compenser ces situations de ségrégation. Deuxième aspect important, et on le verra peut-être tout à l'heure sur la question peut-être des limites de cette éducation prioritaire, c'est une façon à la fois de reconnaître les effets délétères de la ségrégation. D'accord ? On dit la ségrégation produit plus d'inégalités que simplement les inégalités individuelles. Très bien. On concentre les handicaps, on concentre les mêmes élèves dans des classes ou des établissements avec un niveau scolaire, par exemple, extrêmement faible. Cela va produire des difficultés pédagogiques et de ce fait, on va se centrer là-dessus. On verra tout à l'heure, j'anticipe un peu sur ce que je vais dire ensuite, qu'à la fois, donc, on veut agir contre les effets de la ségrégation, mais que très souvent ou trop souvent, c'est aussi une façon de, comment dire, reconnaître la ségrégation, peut-être pas la légitimer, parce que ça serait excessif de dire ça, mais en tout cas, on ne va pas lutter contre la ségrégation. On va lutter contre les effets de la ségrégation. Et on verra que, par certains côtés, cela peut poser quelques problèmes au plan de l'efficacité de ce que l'on met en œuvre. Donc l'idée, c'est de compenser aussi par des moyens supplémentaires. Donc on dit, certains établissements sont défavorisés par la nature de leur public, hein, pour aller vite. On va donc leur donner des moyens supplémentaires de façon à ce qu'ils fassent face plus facilement aux difficultés. Donc on est typiquement et très simplement dans les principes de justice corrective. Hein, on va corriger des inégalités de départ. On se dit qu'une école juste, bah, c'est une école qui va compenser, qui va corriger les inégalités de départ, les inégalités de conditions de scolarisation, les inégalités de contexte de scolarisation. Donc là, si vous voulez, on tient en quelque sorte une action qui est importante, un principe d'action politique qui est important et qui, évidemment, est extrêmement porteur, je dirais. Hein, il est porteur d'espoir. Pourquoi est-ce qu'il est porteur d'espoir? Parce que on se dit que ça ne peut que marcher, hein, puisque si on donne plus de moyens aux gens, aux établissements, bien, probablement que ça va marcher. Alors je vous ai mis là une citation du ministère français de l'éducation, parce que en ce moment, l'éducation prioritaire a le vent en poupe en France. Je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Je vous lis cette citation, parce qu'elle est très présente quand vous prenez le site du ministère français de l'éducation. Elle est présentée comme une action, une politique de pointe contre les inégalités scolaires. La politique d'éducation prioritaire, nous disent-ils, a pour objectif de corriger l'impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l'action pédagogique et éducative dans les écoles et établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales. C'est moi qui mets du gras.
La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République en a défini l'objectif, ramener à moins de 10% les écarts de réussite scolaire entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres élèves de France. Donc vous voyez que c'est un texte qui, me semble-t-il, est très ambitieux et ils prennent le risque de chiffrer l'objectif en de dire on va ramener à 10% l'écart entre les élèves en ZEP, enfin en éducation prioritaire et les autres. Donc on a là quelque chose d'important. Et pourquoi est-ce que j'ai mis cette citation? Parce que d'abord on dit explicitement, ce qui est relativement nouveau, que l'objectif ce sont les acquis. On verra tout à l'heure que lorsqu'on regarde comment fonctionne effectivement l'éducation prioritaire, ou en tout cas comment elle fonctionnait quand on en a évalué le fonctionnement, eh bien, les acquis scolaires des élèves étaient un peu passés au deuxième plan. C'est un premier point. Deuxième élément, il y a quand même l'idée qu'on insiste sur les effets de la ségrégation, même si le terme ségrégation, bien sûr, n'est pas explicitement énoncé. Et puis, troisième point peut-être, on voit bien par ce type de déclaration que c'est une politique phare dans la lutte contre les inégalités scolaires en France. Donc je pense que c'est important d'en parler, non seulement dans les principes que l'on vient de voir, mais aussi peut-être dans leur mise en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue, sur la mise en œuvre de ces politiques? Qu'est-ce que l'on entend d'abord par mise en œuvre, bon, simplement. Il s'agit simplement de voir comment concrètement les choses sont mises en place, comment les acteurs de terrain agissent et comment aussi les politiques qui se basent sur des principes identiques vont avoir des formes différentes au fil du temps. Alors, pourquoi est-ce que ces politiques peuvent avoir des formes différentes au fil du temps, et bien, dans un seul pays, je veux dire? Eh bien, simplement parce que on est tout de même dans, je dirais, des politiques qui sont évaluées de façon récurrente et de façon relativement serrée. Et de ce fait, chaque évaluation donne lieu à, comme je l'ai dit tout à l'heure, une réflexion approfondie sur qu'est-ce que l'on pourrait faire pour améliorer le système. Bon. Donc, de façon générale, sur la mise en œuvre, je l'ai dit, de quoi s'agit-il? On fait varier les moyens accordés aux établissements en fonction de la nature de leur public. Et on va prendre ici des indicateurs. On sait que les indicateurs à prendre en compte sont multiples. On va prendre des indicateurs qui sont variés. Je les énoncerai tout à l'heure de façon précise. Proportion d'élèves migrants, par exemple, de première génération, dans l'établissement scolaire. Proportion d'élèves défavorisés. Proportion d'élèves dont de familles monoparentales, par exemple, ou dont les parents sont au chômage, ou au moins un des parents est au chômage, etc. etc. Et donc, ces critères, vous voyez qu'on passe de principes abstraits, eh bien, il y a des groupes ou il y a des lieux qui sont défavorisés, à une mise en œuvre concrète où il faut parler cuisine. Et quand on parle cuisine, ce n'est pas toujours facile. Où est-ce que passe le taux d'élèves défavorisés ou d'élèves migrants de première génération? À partir de quel moment ce taux est-il important? Est-il trop important? Est-il excessif? Bon, tout ça, c'est une décision. Et c'est une décision qui dépend, évidemment, du politique. Ça, on n'a pas, on ne peut pas le fonder obligatoirement, scientifiquement, je dirais. Et donc, on va, dans ces établissements, améliorer, pour le dire vite, l'offre scolaire. C'est-à-dire, on a tout de même une réflexion sur la qualité de l'offre scolaire et sur ce qui fait que... Ce qui fait que l'offre scolaire va être de meilleure qualité et donc les apprentissages plus développés. Et donc, on a là, si vous voulez, on doit utiliser des outils, je l'ai dit tout à l'heure, le nombre d'élèves par classe, bien sûr, la mobilisation des enseignants, les groupes de haut niveau, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en France? Quelle est la configuration que cela a produit en France? Alors, d'abord, la première forme de cette politique, on appelait ça les ZEP, zones d'éducation prioritaire, et c'était une politique qu'on pourrait qualifier de gauche, voilà. Parce qu'à l'époque, le président de la République, c'était le premier président de gauche de la
Ve République, François Mitterrand. Et c'était un moment où il y avait une capacité réformatrice extrêmement forte dans le champ politique. Et l'une de ces, des politiques pour réformer la France a été cette politique des élèves. Donc c'était une politique, là aussi, phare au plan de l'éducation dans ces années-là. Et donc on est en 1982, c'est-à-dire il y a très longtemps, et donc on a une politique qui commence plutôt à petit feu, si j'ose dire, tout doucement. On a une politique qui concerne 8% des écoliers et 10% des collégiens, vous me direz, c'est pas si peu que ça, mais surtout c'était une politique qui était censée durer 4 ans et pas plus. Hein, on était censé mettre en œuvre cette compensation pour faire en sorte que les inégalités soient, comment dire, enfin les inégalités liées à la ségrégation soient éliminées, et du coup après ça, ben, on pouvait recommencer sur quelque chose de beaucoup plus normal. Donc c'est assez étonnant, parce que quand on regarde avec le recul historique aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que c'est plutôt, on va le voir, une politique qui a au contraire été développée, qui a pris de plus en plus de place dans l'éducation en général, au point d'être une sorte de, comment dire, de politique qui attribue des moyens, si vous voulez, supplémentaires aux établissements, peut-être au détriment des objectifs. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Et donc, on a l'idée dès le départ qu'il s'agit de lutter contre la ségrégation et des effets de la ségrégation. Et surtout, on est en 1982, donc 6 à 7 ans après la mise en œuvre de ce qu'on a appelé en France une réforme extrêmement importante, qui est la réforme Habit, qui a été une réforme du collège unique d'ouverture de l'enseignement secondaire à tous les élèves. On a éliminé les filières, ou à peu près, et on a fait en sorte que tous les élèves du primaire passent dans l'enseignement secondaire de façon à augmenter le niveau d'éducation des jeunes générations, l'augmentation, à augmenter aussi l'accès au baccalauréat, etc., etc. Donc on était dans une politique, si vous voulez, un mouvement historique, un mouvement scolaire qui allait vers plus d'éducation à tout le monde. Et de ce fait, cette politique d'éducation prioritaire prenait tout son sens dans ce contexte-là. Donc on a des ressources supplémentaires, donc on a des crédits supplémentaires, des postes d'enseignants supplémentaires, etc., etc., dans ce système des élèves. Sur les critères, si vous voulez, j'en ai peut-être voilà, un peu plus de précision sur les critères de choix des établissements qui devaient faire partie ou pas de l'éducation prioritaire. Je vous donne un exemple ici parce que ces critères ont pu varier avec le temps, bien évidemment, certains indicateurs, le taux, etc. Donc je vous donne juste une idée, proportion pardon, dans une zone donnée d'ouvriers, de chômeurs, de RMistes, le RMI étant une sorte de subvention, enfin pas de subvention, mais d'aide sociale aux personnes qui n'ont pas d'autres revenus, donc RMistes, de familles dont aucun membre n'a de diplôme, de familles dont un membre est de nationalité non européenne, etc., etc. Donc on a à la fois essentiellement des critères, je dirais, sociaux, on a quelques critères, alors, de nationalité, on va dire, parce qu'il ne faut pas dire ethnique en France, mais de nationalité non européenne, on a quand même l'idée que toutes les nationalités étrangères ne vont pas avoir les mêmes effets, en quelque sorte, sur l'éducation et sur les établissements. Et puis, il va y avoir un seul critère scolaire, c'est le résultat aux évaluations alors du CE2. Le CE2, c'est l'un des niveaux scolaires de l'école primaire, lorsque les élèves ont 7 ans. Donc, on voit qu'on a plutôt des critères sociaux, un petit critère ethnique, je dirais, et un petit critère scolaire, bon, pour faire tout ça. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait, si j'essaie de retracer l'évolution globale de cette politique d'éducation prioritaire au niveau de la France, eh bien, on est allé vers une accentuation, d'une part, et, une diversification, voilà, de l'éducation prioritaire en France. C'est-à-dire, au départ, on a plutôt quelque chose avec les ZEP, quelque chose qui est assez général. On repère quelques établissements, et puis ensuite, on va leur donner plus de moyens, très bien. Essentiellement, et ça, c'est Bénédicte Robert qui le souligne dans son ouvrage, au départ,
l'idée principale de l'éducation prioritaire en France, c'était la mobilisation des enseignants et des équipes pédagogiques sur la réussite scolaire des élèves. C'était ça un peu l'idée. Et donc on avait cette idée qu'il fallait en quelque sorte que le levier principal, c'était certes les moyens, mais aussi peut-être et probablement la mobilisation des enseignants sur la question des inégalités, des apprentissages, etc. Et ça avait donné lieu, au début des années 80, à effectivement une forte mobilisation, d'autant qu'on était dans un mouvement, je dirais, où la gauche avait un peu le vent en poupe, eh bien, où les enseignants ont joué le jeu en grande partie. Après, les choses ont peut-être évolué différemment, mais au départ, il y avait cette forte volonté de mobilisation. Donc 1982, la création des ZEP, quelque chose qui était censé être, je dirais, temporaire. Ensuite, une relance dans les années 90 ou 90, je ne sais pas comment on dit, désormais. Donc, extension du nombre de zones de 350 à 560. Donc, on a l'idée que cette politique censée être temporaire allait s'étendre, et elle va s'étendre. Une deuxième relance à la fin des années 90, on a ce qu'on appelle les REP, les réseaux d'éducation prioritaire, avec la définition de 1200 zones et 20% des élèves concernés. Donc on a voyé une extension de ce dispositif. Et puis, assez récemment, dans les années 2000, on va avoir diversification de cette action prioritaire. Alors pourquoi cette diversification? Eh bien, parce que dans les évaluations qui ont été produites de l'éducation prioritaire, eh bien, l'un des arguments et l'une des explications qui étaient données pour expliquer la faible efficacité de l'éducation prioritaire en France était que les moyens étaient trop dispersés. Que les moyens étaient trop dispersés, ce qu'on disait, c'est que il y a trop d'établissements qui sont concernés, trop d'élèves qui sont concernés, et donc les moyens que l'on met en œuvre ne sont pas assez ciblés. Si vous voulez diminuer les inégalités, disait-on, diminuer la cible, d'accord, pointer des cibles beaucoup plus précises, beaucoup moins d'établissements, beaucoup moins d'élèves, avec beaucoup de moyens, et cela va vous permettre de résoudre, enfin un peu mieux, et en tout cas de produire une certaine efficacité. Aujourd'hui, et beaucoup de rapports, le rapport de Denis Meuret, par exemple, qui est l'un des premiers à avoir fait un rapport sur l'éducation prioritaire, était extrêmement clair là-dessus, extrêmement intéressant, en disant, centrez les moyens, vous aurez plus de résultats. Et donc, qu'est-ce qui a été fait? Ça a été fait donc dans les années 2000, enfin 2005-2006, ça a été de distinguer, au lieu de dire il y a les REP, eh bien on a dit il y a les RAR, pardonnez-moi pour ces sigles, c'est un peu bizarre, il y a les RAR, les réseaux ambition réussite, et il y a les RRS, les réseaux réussite scolaire. Bon, alors, ça veut dire quoi ce truc-là? Eh bien, imaginons, c'est une sorte de cible avec plusieurs ronds concentriques. On a les réseaux ambition réussite qui sont la cible principale, donc on a diminué le nombre d'établissements de façon draconienne, et donc on va dire qu'il y en a très peu, mais on va mettre beaucoup de moyens dans ce très petit nombre d'établissements. D'accord ? Ensuite, il y a les réseaux réussite scolaire. Ce sont les établissements qui faisaient partie précédemment des REP, mais qui ne sont pas assez, qui ne concentrent pas assez de problèmes pour faire partie des RAR. Donc, ce sont un peu ceux qui sont restés dans l'éducation prioritaire. Donc, ils ont un peu plus de moyens, mais pas autant que les établissements qui sont en réseau ambition réussite. Et donc, cette réforme, j'en dirai quelques mots tout à l'heure quand je parlerai des effets, elle a été, faite de façon, ça a été un peu rapide comme mise en œuvre, et puis on s'est aperçu que là aussi, un certain nombre d'effets pervers pouvaient intervenir. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait en France? On appelle le dispositif éclair. Alors j'ai pris quand même pour savoir ce que ça voulait dire éclair évidemment, école, collège et lycée pour l'ambition, l'innovation et la réussite. Donc ça donne éclair, et donc on a dans ce dispositif éclair à environ 300 collèges publics sont rassemblés. 300 collèges publics dans toute la France, c'est pas beaucoup, hein. Bon, c'est peu. Et donc dans ce dispositif éclair,
il y a non seulement l'idée de moyens, mais il y a aussi d'autres dispositifs politiques qui ont été mis en place. Il y avait une idée dans les différentes évaluations de l'éducation prioritaire en France, c'était que les moyens ne peuvent pas tout. D'accord ? Les moyens ne peuvent pas tout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de mettre plus de profs, plus de moyens, plus de ceci, plus de cela, pour que, comme par enchantement, tout se passe bien. Non. Il ne faut pas seulement ça. Il faut aussi que les moyens de fonctionnement de l'établissement soient garantis. Il faut que, encore une fois, la mobilisation, elle aussi, existe. Et donc, dans le dispositif éclair que l'on connaît aujourd'hui, il y a une volonté d'accroître l'autonomie des établissements, notamment dans le recrutement par les chefs d'établissement des enseignants. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que en France, le système qui prévaut est plutôt un système que je qualifierais de bureaucratique, sans vouloir être trop péjoratif, mais disons que c'est un système de points extrêmement complexe, d'accord ? Et en fonction de l'ancienneté, etc., l'enseignant va dire « je veux être dans tel établissement ou dans telle région, etc. etc. » Bon, donc c'est un système qui existe en France, il est comme ça depuis de longues années, dans le cas des établissements éclair, eh bien, une sorte de dérogation à cette règle, hein, qui est une règle à laquelle les syndicats enseignants tiennent beaucoup, et pas que les syndicats d'ailleurs, les enseignants eux-mêmes aussi. Et de ce fait, ça a été une petite révolution, je dirais, de ce point de vue. Tutorat par des étudiants aussi, mais l'idée que dans les établissements, on peut très bien, faire en sorte que des étudiants puissent aller dans ces établissements pour aider les élèves à faire leurs devoirs, par exemple, à travailler, etc., etc. Alors là, je vous donne les taux d'encadrement en éducation prioritaire aujourd'hui, c'est en 2013, donc dans des données récentes. Les données récentes sur le fonctionnement concret des REP, des dispositifs éclairs, n'existent pas vraiment, mais enfin, je vous donne quand même quelques éléments vous montrer de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Des catégories qui sont en fonction du dispositif concerné, en rare, en éclair, en RRS, hors éducation prioritaire et ensemble. Donc vous avez des établissements qui sont rares, des établissements en éclair, des établissements en RRS. On a là, vous savez, le fameux système où d'anciennes politiques gardent quand même un certain nombre de prérogatives, et de ce fait, on a un dispositif qui se complexifie de plus en plus. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On a l'encadrement, on a EC par exemple en école, la première ligne, eh bien, c'est simplement le ratio entre les enseignants par classe dans les écoles primaires. Et ce que l'on voit, par exemple dans les dispositifs réseau ambition réussite, on a dans les deux années considérées un peu moins, 21,9 élèves par classe, d'accord ? En éclair, on en a un peu plus de 22. En RRS, on en a 22,3. C'est assez proche d'éclair. Et hors éducation prioritaire, on a presque 24 élèves par classe. Donc, c'est un système, vous voyez, qui, différencie le nombre d'élèves par classe. Alors, pourquoi cette insistance sur de la part de ces politiques sur justement cette idée de l'encadrement? Eh bien parce que l'une des idées, c'est que plus le nombre d'élèves diminue, plus, l'enseignement est efficace. Bon. Alors, il y a des débats, il y a quelques résultats tout de même qui montrent cela. Le problème étant que cette diminution du nombre d'élèves par classe n'améliore que très peu, c'est-à-dire l'effet est relativement faible. Donc, il faut que ça soit massif pour que les choses avancent. Mais cela dit, l'effort financier est extrêmement important, parce que quand on enlève, alors ça fait quoi? Ça fait deux élèves par classe à peu près à l'école primaire, eh bien, on a tout de même un surcoût extrêmement élevé. Que se passe-t-il dans les collèges? Alors le collège, c'est l'enseignement secondaire. Eh bien, on a donc deux indicateurs, le ratio E sur D. Alors D, c'est les divisions, c'est-à-dire les classes,
Et puis E sur S, c'est un peu technique, pardonnez-moi, ce sont les structures, c'est-à-dire il y a des dispositifs qui séparent les élèves en deux, dans certaines classes, à certains moments, avec des enseignants qui sont en surnombre dans les établissements rares ou éclairs, et du coup, on a des établissements qui n'ont pas le même ratio en fonction des classes et en fonction des structures. Bon, tout simplement. Mais ce qu'on peut regarder, c'est la dernière ligne, hein, E sur S, c'est-à-dire le nombre d'élèves en fonction des structures, qui prend en compte les demi-groupes pour certaines matières. Et donc, on a dans les collèges un nombre d'élèves qui est beaucoup plus faible, je dirais 19,2 ou 19,3 dans le dispositif rare, et ensuite on va jusqu'à 23 ou 23,5 dans les collèges en 2011-2012, les collèges hors éducation prioritaire. Bon. Donc on voit que la différenciation des moyens est loin d'être négligeable, d'accord, et on a là quelque chose qui est un outil, un levier, si vous voulez, qui est important. Il y a un travail qui, je crois, date de 2006, de deux économistes, de Piketty et Waldener, qui avaient travaillé sur l'effet de la taille des classes. Et ils avaient fait des simulations extrêmement intéressantes. Bon, ils avaient montré quand même que si on voulait que les élèves en éducation prioritaire se rapprochent le plus possible des élèves hors éducation prioritaire, il fallait tout de même faire un effort plus important en nombre de diminution des classes. Mais cela dit, ce n'est pas négligeable, parce qu'en termes de, évidemment, économiques, hein, c'est assez important. Alors, si on regarde, bon, très rapidement, ce sont des données extrêmement générales, mais il me semble que c'est assez parlant de voir qui sont les élèves qui sont en éducation prioritaire, qui sont scolarisés dans ces structures-là. Eh bien, on a évidemment, ici, la proportion d'enfants d'ouvriers et d'inactifs, d'accord, et la proportion d'enfants de cadres et d'enseignants. Donc, on a globalement les deux extrêmes de la hiérarchie sociale. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a en éclair 73% d'enfants d'ouvriers et d'inactifs. Hors éducation prioritaire, il n'y en a que 34% ou un peu plus. Et puis, du côté de la proportion d'enfants de cadres et d'enseignants, on en a 9% d'un côté, 38,5% de l'autre. Bon, c'est inscrit dans la politique elle-même, hein, bien sûr, puisqu'on qualifie d'éducation, d'établissements réseau ambition réussite que les établissements qui sont, évidemment, qui concentrent, je dirais, des élèves plutôt défavorisés, bien sûr. Mais ça nous donne tout de même une indication sur l'importance de la ségrégation scolaire, hein, parce que, en quelque sorte, là, ce sont des moyennes, l'ensemble des établissements qui sont en éclair, mais probablement que certains établissements n'ont aucun ou presque aucun enfant de cadre et d'enseignant, alors que d'autres n'ont peut-être pas aucun, mais très très peu d'élèves de milieux, on va dire, populaires. Donc, on a une ségrégation sociale qui est loin d'être négligeable dans le système français. Donc on voit aussi évidemment la hiérarchie en quelque sorte des dispositifs, puisque 73, 56, 34, bon, on a là quelque chose qui reflète la nature de cette politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire très très globalement sur cette question du cas français de l'éducation prioritaire? D'une politique censée être temporaire, on en a fait une politique centrale dans les politiques éducatives en France. Moi, je pense que c'est un point important. C'est une façon, en quelque sorte, de diversifier les moyens au regard de la diversification des établissements. Deuxième aspect qui me semble important aussi et qui donne un peu la nature de l'évolution, on a un développement et une différenciation. Ce qui n'étonnera personne, c'est-à-dire quand un dispositif se développe, quand il tend à rassembler un nombre important d'élèves, 20-25% d'élèves, eh bien, il va se différencier simplement pour être plus efficace. D'accord ? Donc, il va se différencier avec ce renforcement dans les établissements, sur les établissements les plus ségrégés. Très bien. Et puis, je pense, autre point important qui me permettra de donner une note un peu optimiste à cette réflexion sur l'éducation prioritaire, ou en tout cas de questionner cette note optimiste, c'est que
on a évolué dans le contenu de cette politique. C'est vrai que c'est centré sur la réduction de la taille des classes, c'est vrai, mais aussi on a insisté, on réinsiste encore sur la mobilisation, par exemple le volontariat des enseignants pour enseigner dans ces établissements. J'ai dit tout à l'heure que dans le dispositif Éclair, il y avait le recrutement des enseignants se faisait par les chefs d'établissement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on crée un marché de l'emploi des enseignants, ce qui habituellement en France n'existe pas. On n'a pas un vrai marché de l'emploi, on a juste des nombres de points et puis les gens choisissent leur établissement en fonction de l'ancienneté de leur carrière, de leur nombre d'enfants, de leur classement au diplôme ou au certificat d'enseignant, etc. Donc on a quelque chose qui est extrêmement bureaucratique. Là, on crée une sorte de marché du travail, on va dire, certaines personnes vont se présenter dans ces établissements pour vouloir enseigner. Est-ce que ça marche bien? Je ne sais pas. On verra qu'il y a quelques effets pervers de ce système, par exemple. C'est sorti dans la presse. Bon, dans certains endroits de la région parisienne, eh bien, certains établissements ont du mal à trouver des enseignants. C'est-à-dire que l'un des effets pervers de ça, c'est que dans les endroits les plus difficiles où enseigner, c'est vraiment un sacerdoce, si je dirais, eh bien, il y a un problème de recrutement et les chefs d'établissement recrutent par la voie de la NPE des gens qui ont une licence, par exemple, mais qui n'ont pas de diplôme de formation d'enseignant. Et donc ça crée des problèmes, si vous voulez, avec une mesure qui était censée donner plus de souplesse, plus de volontariat, plus de mobilisation. On a, au regard des situations extrêmement dramatiques de ces établissements, eh bien quelque chose qui va renforcer cet effet-là, avec un manque d'enseignants formés, et du coup, les élèves vont se retrouver devant des enseignants qui ne sont pas formés pour enseigner. Ce qui pose, on peut le penser, à moins de penser que la formation des enseignants ne sert à rien, je ne sais pas, ça, on pourra en débattre peut-être tout à l'heure, mais si l'on pense que la formation des enseignants, ça sert à quelque chose, ce qui est mon cas, eh bien, je pense que ça crée de réels problèmes. Voilà. Donc, cela me permet de faire une transition avec les effets sur les inégalités. En fait, les inégalités scolaires, qu'est-ce que ça a produit, cette politique d'éducation prioritaire, ses principes, ses mises en œuvre, et c'est des politiques aussi qui coûtent évidemment de l'argent, des crédits. Bon. Qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, je n'ai pas pris toutes les évaluations, encore une fois, parce que ce n'est pas la peine de faire trop long, mais qu'est-ce qui ressort des différents rapports et des différentes évaluations qui ont pu être mises en place sur les dispositifs anciens? Parce que sur les dispositifs actuels comme Éclair, bon, sur RAR, il y a quelques éléments, mais sur Éclair, c'est relativement nouveau. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, les premiers rapports, le rapport Meuret et puis les rapports qui ont suivi, ont montré que l'objectif de réduire les inégalités scolaires, notamment entre les élèves qui sont dans le dispositif et ceux qui sont en dehors du dispositif, notamment aussi entre un élève de tel milieu social qui a telle ou telle configuration familiale en ZEP et hors ZEP, tous ces évaluations ont montré que le dispositif de ZEP n'atteignait pas ses objectifs en termes de réduction des inégalités. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement décevant. C'est décevant parce que on met plus de moyens, on produit aussi beaucoup de discours, l'éducation prioritaire, c'est important, ça permet de démocratiser, etc. Et puis lorsqu'on regarde ce que ça produit, globalement, on s'aperçoit que ça n'améliore pas les acquis des élèves, y compris compte tenu de leur situation individuelle. Alors on pourrait discuter des moyens pour évaluer cela, mais bon, je ne vais pas m'étaler sur les questions de méthode, mais je pourrais répondre à vos questions si vous le voulez. Deuxième aspect qu'avait montré Denis Meuret, ça avait été fait sensation là aussi, c'est que ça n'améliorait pas certes les résultats scolaires, mais ça améliorait le climat scolaire, c'est-à-dire l'ambiance des établissements, ce qui n'est pas rien, que les élèves et que les enseignants, compte tenu, alors c'est toujours pareil, compte tenu du fait que compte tenu de la nature du public, eh bien le climat de l'établissement était plutôt amélioré par rapport à ce qu'on aurait pu attendre compte tenu, encore une fois, de la nature de ce public.
Et puis l'un des comment dire, l'une des propositions de Denis Meuret, c'était que les moyens étaient trop dispersés pour être efficaces et que du coup il fallait recentrer les moyens sur moins de zones prioritaires pour être plus ciblé et plus efficace. Une deuxième évaluation, donc vous voyez que dans ce rapport Meuret et puis les rapports qui ont eu lieu ensuite, il y a ce résultat récurrent qu'en termes de résultats scolaires, ce n'est pas très efficace. Une deuxième évaluation a été menée par l'INSEE. Alors ça, c'est intéressant parce que, alors, avec un dispositif assez important, et vous avez des publications là-dessus dans la revue de l'INSEE qui s'appelle Économie et Statistiques, qui est une revue extrêmement intéressante. Et donc, le bilan des ZEP qui est fourni est là aussi pas très positif. Il questionne aussi la nature même de l'investissement éducatif, le surcoût des ZEP. Et ça, c'est très intéressant parce que on avait l'habitude de dire le surcoût des ZEP, c'est 10%. C'est-à-dire qu'un élève en ZEP coûte 10%. Ce qu'ils mesurent, eux, c'est qu'un élève en ZEP ne coûte que 5% de plus qu'un élève hors ZEP. Alors pourquoi ? Alors déjà, 5%, c'est pas si mal, vous me direz. Bon. Mais surtout, ce qui montre, c'est que un élève en ZEP coûte pas autant que ce que l'on pourrait penser, simplement parce que la part la plus importante du coût d'un élève, c'est le salaire des enseignants. Et les enseignants débutants étant plus fréquemment dans les zones d'éducation prioritaire, eh bien, le surcoût par élève était donc pas si important que ça. Il serait plus important si on comparait, par exemple, les élèves de ZEP et le salaire de leurs profs, et puis les élèves de lycée ou des grands lycées parisiens qui ont des classes préparatoires, etc., le coût d'un lycéen parisien est beaucoup plus élevé. Ce qui est un effet mécanique du système de nomination des enseignants. Et une deuxième remarque qui était fort à propos dans cette évaluation de l'INSEE, c'était de dire que ce que l'on consacrait, les moyens supplémentaires, étaient consacrés non pas directement à faire réussir les élèves et à leur faire acquérir des compétences supplémentaires, mais étaient consacrés à payer des primes aux enseignants. Alors, payer des primes aux enseignants, ça peut être bien, effectivement, parce qu'il est vrai que le travail en zone éducation prioritaire est probablement plus complexe et plus difficile qu'ailleurs. Mais les auteurs de cette évaluation disaient que ça peut certes avoir un intérêt de donner ces primes, mais qu'en même temps, ça n'était pas directement efficace pour les acquis des élèves. Et donc, l'idée de cette évaluation était de dire que les moyens étaient mal attribués et que si l'objectif était de faire réussir les élèves, il fallait que les moyens supplémentaires soient directement appliqués à ces moyens supplémentaires. Quand on regarde les évaluations plus récentes, bien sûr, on n'a pas tous les moyens de répondre aux questions extrêmement précises. C'est-à-dire, est-ce que toute chose égale par ailleurs, les élèves de ZEP ou de REP ou de RAR ont une réussite supérieure, etc. Pour l'instant, je ne peux vous donner que des éléments qui sont comparatifs, assez généraux, assez globaux, mais qui sont tout de même assez instructifs au regard des ambitions de l'éducation prioritaire telles que j'ai pu les énoncer à partir du texte de l'éducation nationale que je vous ai donné tout à l'heure. Alors là, je vous donne simplement un résultat issu des données de la DEP, la direction de l'évaluation de la prospective et de la programmation, je pense, donc qui est lié au ministère français d'éducation. Et donc, vous avez ici l'évolution de la proportion d'élèves qui maîtrisent en fin de primaire les compétences de base en mathématiques. Donc ça, c'est 2013. Alors, il y a plusieurs résultats dans ce graphique. Je vais rapidement les énoncer. D'abord, vous voyez que vous avez une échelle qui concerne la proportion d'élèves. Donc, quel est le pourcentage, simplement, d'élèves qui maîtrisent ces compétences de base. Le premier résultat de ce graphique ne concerne pas obligatoirement l'éducation prioritaire, il concerne la qualité ou l'efficacité globale du système d'éducation français, puisque on est ici en fin de primaire. Les compétences de base en mathématiques, bon, c'est les opérations, tout un ensemble de choses.
y compris dans les établissements privés et dans les établissements hors éducation prioritaire, tous les élèves ne maîtrisent pas ces compétences de base. Alors, je sais que les compétences de base ne sont pas toujours atteintes à 100%, mais enfin, il y a quand même, un peu moins peut-être de 10% d'élèves dans le public hors éducation prioritaire qui n'ont pas acquis ces compétences de base. Ça pose un problème. Bon. Mais si on regarde les élèves qui sont en éducation prioritaire, alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans le privé. Hein. Le privé en France scolarise plutôt des bons élèves de milieux aisés, etc. Comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que l'on observe? On observe que la différence entre les compétences des élèves en éducation prioritaire par rapport aux élèves hors éducation prioritaire, cet écart, je dirais qu'il reste constant avec des variations d'une année sur l'autre. Par exemple, en 2009, les compétences de base des élèves en éclair, ont vu ont augmenté de façon significative. Ensuite, ça recommençait à baisser. On est dans des courbes, si vous voulez, qui sont assez fluctuantes. Donc ici, qu'est-ce que l'on peut dire à partir de ce graphique? On peut dire qu'il n'est pas certain, l'éducation prioritaire permette aux élèves de rattraper leur retard par rapport aux autres. Alors bien sûr, et on le verra encore un peu plus tard aussi, il faudrait peut-être se poser la question sur les élèves de l'éducation prioritaire, par exemple en éclair, est-ce que ce sont les mêmes en 2007-2008 par rapport à 2011-2012? On pourrait très bien imaginer quelque chose de fou, que en 2010, il y ait par exemple un peu plus d'élèves qui soient de milieux défavorisés et que, comme par miracle, dans les établissements éclairs, il y ait eu une attraction pour les élèves qui sont de milieux plus favorisés et qui ont des niveaux scolaires plus élevés. Eh bien, peut-être qu'on aurait une augmentation de ces acquis qui ne serait pas due spécifiquement au dispositif éclair, mais simplement à son attractivité sur le marché scolaire, comme je l'ai raconté lors d'une conférence précédente. Il se trouve que c'est très souvent pas le cas. Hein, très souvent, les établissements, on y reviendra, qui sont en dispositif éclair ou rare, sont plutôt fuis par les meilleurs élèves et non pas, et du coup, cela transforme leur population. Regardez ce résultat pour les collèges. Ça me semble intéressant parce qu'on a vu qu'à l'école primaire, les résultats étaient, on va dire, stagnants. Voilà, on peut dire ça comme ça, avec quelques fluctuations à la hausse ou à la baisse pour les élèves qui sont en éducation prioritaire. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les collèges, c'est-à-dire c'est le niveau du secondaire 1, hein, le secondaire obligatoire, on a des résultats qui sont quand même un peu plus décevants. Premier point, on voit, comme tout à l'heure, que dans beaucoup de collèges, y compris hors éducation prioritaire, beaucoup d'élèves ne maîtrisent pas les compétences de base, d'accord ? Donc les compétences de base en mathématiques. Il est certain que les compétences de base au collège et en fin de collège, et en fin de primaire ne sont pas les mêmes, bien sûr. Ces compétences de base sont plus élevées au collège. Mais il se trouve qu'ici, ils ne les maîtrisent pas en grand nombre. Par exemple, en 2012, si vous prenez la courbe des établissements hors éducation prioritaire, on s'aperçoit qu'il y en a, je dirais, à peu près 12% de ces élèves qui ne maîtrisent pas ces compétences de base. Et puis, lorsqu'on va voir du côté de l'éducation prioritaire, notamment pour le dispositif éclair, on voit que le niveau de ces élèves, ce niveau de compétence, de maîtrise des compétences de base, tend à baisser. Alors c'est extrêmement inquiétant, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on met en place un système pour diminuer les inégalités et on voit à partir de cette comparaison brute qui, encore une fois, peut poser des problèmes évidemment de comparaison et de comparabilité, mais il n'empêche que lorsqu'on voit ces résultats, on peut s'interroger sur l'efficacité du système, d'éducation prioritaire. L'écart, par exemple, on peut voir ça un peu de façon intuitive, mais en 2012, les secteurs, dans les collèges éclairs, qui est la courbe, la droite la plus basse dans le graphique, on voit que les élèves
il y en a à peu près, un peu, il y en a moins de 65% qui maîtrisent ces compétences de base à la fin du collège. Alors que du côté des autres, eh bien, les choses sont bien différentes. Alors, je ne m'étale pas trop là-dessus. J'avais prévu de vous montrer des choses sur les compétences en langue étrangère qui donnent des résultats là aussi assez proches. Hein. Globalement, on a des compétences en langue étrangère qui, comment dire, des différences qui s'accroissent entre l'éducation prioritaire d'un côté et le non-éducation prioritaire de l'autre. Donc, ça pose là aussi un certain nombre de problèmes et de questions sur l'efficacité de ce dispositif. Plus que deux graphiques, et puis après, j'aurai terminé sur cet aspect-là. J'ai aussi trouvé, j'ai pensé que c'était intéressant de voir ce qu'il en était au plan du climat scolaire. Alors, ce tableau montre un indice de climat scolaire. C'est une enquête que fait l'ADEP assez régulièrement. Et donc, on ne va pas tout lire ce tableau parce que ça n'aurait pas grand intérêt. Mais si on se porte, par exemple, sur les établissements qui ont l'indice de climat scolaire le plus élevé, entre 10 et 12, donc de 10 à 12, donc le meilleur climat scolaire, eh bien, on voit dans les dispositifs rares ce bon climat scolaire est à 68,9, ce qui n'est pas négligeable, mais il est dans les hors réseau d'éducation prioritaire 76,7 et 80% dans le cas des établissements ruraux. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Eh bien, ça nous montre que là aussi, on a, même au plan du climat scolaire, quelque chose qui ne marche pas vraiment, qui ne permet pas de réussir le pari de l'éducation prioritaire, qui est tout de même de réduire les écarts et non pas de les laisser tels quels ou de les accentuer, comme nous l'avons vu dans le cas des mathématiques au collège. Alors, je vous ai donné un dernier résultat. Peut-être que vous pourrez le lire, puisque je donne toujours mon PowerPoint. Il sera sur le site de l'Université de Mons. Comparaison brute, éducation prioritaire, versus autre. Et j'ai donné ces chiffres parce qu'ils sont récents. Hein, c'est les plus récents que j'ai trouvés. Proportion d'élèves qui maîtrisent les compétences 1 et 3 du socle commun 2013. Alors, les compétences 1 et 3, c'est extrêmement simple. 1, c'est la maîtrise de du français. Hein, et les compétences 3, ce sont les maths, les sciences et la technologie. Et ce que l'on observe, c'est le même type de résultat que ce que nous avons vu tout à l'heure à partir de notre enquête. C'est-à-dire qu'on a, notamment au niveau de l'enseignement secondaire 1, des écarts qui sont extrêmement forts entre l'éducation prioritaire et le hors éducation prioritaire. On a donc quelque chose, comment dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure là-dessus? Je vais vous faire une petite citation tout à l'heure pour l'ADEP, mais à partir de l'ADEP. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que le défi qui est à soulever par cette politique d'éducation prioritaire est extrêmement lourd. Hein. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que ça existe, d'accord? Ça fait 30 ans qu'il y a des moyens supplémentaires qui sont mis en œuvre, et en fait, on s'aperçoit que les choses empirent plutôt qu'elles ne s'améliorent. Et du coup, évidemment, cela questionne cette politique. Je vous ai mis une citation d'un article de d'une note d'information de l'ADEP qui a été faite par Stéphanou en 2013. Je vous la lis parce qu'elle me semble assez révélatrice des résultats que l'on peut tirer de ces évaluations et de ces comparaisons plutôt entre l'éducation prioritaire et le reste. En troisième, depuis 2007, on observe une baisse significative de la proportion d'élèves qui maîtrisent les compétences de base en français parmi les collégiens des éclairs et ceux de RRS à un degré moindre, alors que les résultats sont stables hors éducation prioritaire. Pour les mathématiques, cette baisse concerne uniquement les collèges des éclairs. L'écart s'est donc creusé entre l'éducation prioritaire et le reste des collèges pour atteindre plus de 30 points en français concernant les éclairs. Donc on voit que l'évolution est quand même pas très positive, elle est même extrêmement négative. Bon. Alors, la question qu'on peut se poser, enfin que je me suis posée, c'est de savoir pourquoi a-t-on
de tels résultats, des résultats aussi décevants? Bon, je pense que c'est difficile de répondre de façon définitive à cette question. Mais si on lit et si on voit ce qui a été produit sur l'éducation prioritaire et la façon dont c'est mis en œuvre, on peut trouver tout de même un certain nombre d'explications. D'accord ? Une première explication, c'est, et là je m'inspire de Bénédicte Robert pour énoncer ce résultat, c'est le flou des objectifs. Toutes les évaluations des ZEP ou des REP ou des RAR ont montré qu'il y avait une sorte de flou des objectifs au sens où le fait que l'objectif principal était de faire progresser les élèves et de leur faire apprendre des acquis comment dire, plus élevés que ce qu'ils n'apprennent aujourd'hui, que cet objectif-là n'était pas, en fin de compte, si clair que ça. L'idée, qui est un processus, si vous voulez, qui est assez classique dans les analyses que font les politistes, c'est que on substitue en quelque sorte les moyens aux fins. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans les politiques d'éducation prioritaire, on a mis en avant plutôt les moyens, c'est-à-dire on donne plus de profs, on diminue le nombre d'élèves par classe, on fait des demi-groupes, on nomme des adultes, des assistantes sociales, des psychologues, etc. dans les établissements. Donc ça va presque être considéré comme le but à atteindre. Et si on a mis ces moyens supplémentaires, eh bien, on est en règle avec la politique et avec la morale. Bon. Et ce que l'on voit, et ce que montre notamment Bénédicte Robert, c'est que, justement, ces moyens-là se substituent progressivement au vrai objectif qui est faire progresser les élèves. Et quand je disais tout à l'heure que les moyens étaient attribués plutôt aux enseignants sous forme de primes que à des dispositifs concrets dans les classes qui permettraient aux élèves d'apprendre, eh bien, on est totalement dans cette configuration. C'est-à-dire, on donne plus de moyens, très bien, mais en oubliant, au passage, les objectifs principaux qui sont la progression des élèves. Deuxième aspect, enfin, dans mon PowerPoint, c'est le troisième aspect, c'est les moyens ne sont pas conditionnés aux résultats. Alors ça peut être un point qui peut faire débat, évidemment, lorsqu'on parle de politique scolaire, mais l'idée, j'attends que ça passe, ouais, c'est bon. L'idée, c'est que on donne des moyens à des établissements sans évaluer véritablement, un, comment ils sont consacrés à l'éducation des enfants, au rattrapage en termes de compétences, d'une part, et puis, d'autre part, on n'évalue pas et on ne conditionne pas les résultats, d'accord, ou les moyens aux résultats. Donc, en fin de compte, on a une hypothèse qui n'est pas totalement délirante, qui nous dit, si vous donnez plus de moyens, les élèves ont plus de capacités et de chances de réussir, d'accord. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Cela peut-être est vrai en général, mais peut-être ce n'est pas vrai dans tel ou tel contexte. Bon. Et donc, on se contente de cette hypothèse et on ne conditionne pas les moyens aux résultats. Je vous donne, pour illustrer ce propos, une citation de l'ouvrage de Bénédicte Robert, qui a été publié en 2009. Donc, cette logique de compensation, nous dit-elle, tend à déresponsabiliser les établissements scolaires. Plutôt que d'inciter à l'égalité de la qualité des établissements, le principe de compensation, qui postule un manque chez les élèves et leurs familles, pousse les établissements à conduire des actions en direction de leur public et non d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ça ne les pousse pas, si je traduis, à améliorer leur enseignement. Il s'agit pour l'auteur d'un glissement d'un objectif de résultat à une logique de moyens. Donc on est là dans un bilan, si vous voulez, qui est extrêmement sévère sur l'éducation prioritaire, mais qui en même temps, je dirais, est une explication possible de l'échec de cette politique, pour l'instant en tout cas, concernant, je dirais, l'efficacité en termes de moyens. Autre aspect qui pourrait expliquer la faiblesse
de cette politique, c'est l'idée que beaucoup de moyens sont consacrés à la gestion du dispositif, notamment aux personnes qui coordonnent les réseaux, et non pas, encore une fois, au dispositif scolaire qui permettrait d'accentuer et d'améliorer les connaissances des élèves. Enfin, je pourrais citer aussi, comme explication de l'échec au moins relatif de l'éducation prioritaire, la répartition des enseignants. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que globalement, ce qu'on observe, c'est que les enseignants les moins expérimentés, eh bien, sont dans les éducations prioritaires, dans les établissements, et les enseignants qui sont les plus expérimentés sont hors éducation prioritaire. Cela pose un problème d'efficacité, tout simplement, en termes de répartition de la qualité, en quelque sorte, de l'enseignement. Dans le domaine des explications des échecs de l'éducation prioritaire, on peut enfin citer la question de la labellisation. Je vous cite ici un extrait de l'ouvrage de Pierre Merle, qui est un sociologue français, qui a été publié en 2012 et qui s'appelle « La ségrégation scolaire ». Les liens, alors il parle de l'étiquetage donc, et de ce que cela peut produire en termes éducatifs. Le lien entre étiquetage et stigmatisation est clairement démontré pour les collèges ambition réussite, rare. En tout juste 3 ans, alors même que les conditions matérielles d'enseignement se sont améliorées dans ces établissements, les résultats sont tous négatifs. Le taux de départ des enseignants de ces établissements a augmenté sensiblement, le nombre d'élèves scolarisés a décru, leur niveau de compétence scolaire a baissé, une part importante des élèves des catégories moyennes et aisées ont quitté ces établissements. Ceux-ci tendent à devenir l'école des enfants d'immigrés, voire de violences scolaires. Voilà. Donc ce bilan, il y en a d'autres bien sûr qui ont pu tirer ce genre de bilan, eh bien, ce bilan montre bien l'état de la question, si vous voulez, sur ce phénomène de labellisation, où on a une sorte de cumul des phénomènes qui produisent, en fin de compte, un échec de cette politique. Alors, en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Plusieurs remarques. La première remarque, je pense qu'il ne faut pas être excessivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, excessivement pessimiste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, dans le cas français, et peut-être dans d'autres pays, nous assistons à un renouveau de l'éducation prioritaire, avec de nouvelles orientations, de nouvelles politiques, avec aussi les acquis des évaluations antérieures et des erreurs qui ont pu être faites dans les dispositifs antérieurs. Et du coup, il n'est pas exclu que le dispositif actuel tel qu'il est mis en œuvre aujourd'hui puisse avoir des effets positifs sur les élèves. Cela dit, le problème, c'est que pour l'instant, aucun élément factuel ne permet de dire qu'il y a une progression potentielle de ce point de vue-là. Donc ça pose évidemment un problème. Aujourd'hui, donc, après plus de 30 ans d'éducation prioritaire, il faut tirer malheureusement ce bilan, que les résultats sont peu encourageants. Alors, pour finir sur une note un peu optimiste tout de même, parce que je ne voudrais pas finir toutes ces conférences par des choses trop négatives, je me suis dit que c'était intéressant de voir quelles politiques alternatives on pourrait proposer ou imaginer, non pas proposer, mais imaginer pour faire en sorte que les choses peut-être s'améliorent et que les inégalités soient plus faibles. Je dirais, pour aller vite, qu'on peut classer ces types de politiques en 3 grandes catégories. Celles que l'on vient de voir, les politiques compensatoires, qui vont agir sur les moyens. On va donner plus de moyens à ceci ou cela, à tel ou tel type d'établissement. Deuxième aspect, on peut aussi évoquer les politiques qui fonctionnent sur l'obligation de résultats. On va être là plutôt de dire tous les établissements qui ont tel type d'élèves doivent améliorer leurs résultats, sinon leurs moyens vont baisser. Donc, c'est-à-dire une façon un peu radicale de fonctionner. Et puis aussi, troisième éventualité, troisième piste à explorer, ce sont les politiques qui s'attaquent aux sources
de ces inégalités, ou en tout cas une source partielle mais très forte de ces inégalités, qui est la ségrégation scolaire. Donc on a là, évidemment, trois options qui sont extrêmement différentes. Alors, on n'exclut pas de les conduire en même temps, mais dans un souci analytique, je vous les expose évidemment de cette façon-là, un peu séparée. Alors, pour les politiques compensatoires, je ne vais pas m'étaler là-dessus, puisque j'en ai parlé très largement, il y a une évidence, c'est qu'agir sur les conditions d'apprentissage ne suffit pas. Voilà. Je pense que la politique des ZEP, telle que j'ai pu vous en parler aujourd'hui, montre au moins ça, et parce que ça a plusieurs conséquences. Hein. La première conséquence, quand même, c'est que cela revient à accepter comme un fait qu'on ne va pas changer les phénomènes de ségrégation scolaire. Lorsque vous faites de l'éducation prioritaire, de la discrimination positive envers certains établissements parce qu'ils sont très fortement ségrégués, eh bien, vous reconnaissez que cette ségrégation existe, d'accord ? En quelque sorte, vous la légitimez. Vous dites, ben voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et puis, vous n'agissez que sur les moyens. Ça, peut-être que c'est un dispositif qu'il faut critiquer de ce point de vue. Deuxième aspect, peut-être, c'est l'idée que les conditions d'apprentissage, donc agir sur ces conditions, ne suffit pas. Et je crois savoir qu'en Belgique, par exemple, l'éducation prioritaire, les évaluations qui ont pu avoir lieu, eh bien, ne montrent pas d'amélioration des résultats des élèves. Il y a eu des évaluations aussi en Suisse, hein, sur une politique de réseau d'éducation prioritaire qui montre le même type de résultats, c'est-à-dire que concrètement, on a de bons sentiments, on met plus de moyens, mais les résultats en termes d'acquis se font attendre. Donc ça pose un problème. Et puis aussi dans le cas de l'Angleterre, qui a abandonné depuis longtemps, enfin sous les formes primitives, cette éducation prioritaire. Donc on a plutôt, du côté des politiques compensatoires, des résultats plutôt négatifs. Bon. Deuxième option, l'obligation de résultats. Alors, il y a beaucoup de politiques, notamment aux États-Unis, qui se basent, ou en Angleterre, qui se basent là-dessus. On peut prendre l'exemple de No Child Left Behind, qui est une politique qui est connue, je pense, de beaucoup de gens. Et l'idée, c'est quoi ? C'est non pas de compenser, mais c'est d'agir sur la mobilisation en fonction des moyens et conditionner les moyens, hein, l'octroi de financement, à la prodécrétion des acquis des élèves. Donc on a en quelque sorte une perspective inversée par rapport à l'éducation prioritaire telle qu'elle se fait en Europe. On va dire, si vous progressez, vous aurez des moyens supplémentaires. Et là, on a quand même des résultats qui sont un peu plus encourageants, me semble-t-il, que dans le cas de l'éducation prioritaire en Europe. Alors, d'abord, petite parenthèse, c'est une version dure de la accountability, c'est-à-dire du fait de rendre des comptes, de la reddition des comptes. On a, si vous voulez, quelque chose qui implique une politique extrêmement volontariste vis-à-vis des établissements. Mais je vous ai donné ici une citation du sociologue américain Gamoran, dont le... c'est Alan, c'est quoi son prénom ? Je ne m'en souviens plus. Enfin bon, je crois que c'est Alan, mais j'en suis pas sûr. Que j'ai tiré de la revue française de pédagogie, dans un article qui a été publié en 2012, et où il nous dit, à propos de No Child Left Behind, la modification des inégalités de réussite est significative, alors que les années 90 ont été caractérisées par une stagnation ou une hausse des écarts, selon l'âge et la matière, entre élèves blancs et noirs, la tendance est à leur réduction depuis 1999 dans les deux matières et les deux classes d'âge, 9 et 13 ans. Donc on a, si vous voulez, des résultats concrets qui montrent que lorsque on agit directement sur les moyens, non pas a priori, c'est-à-dire on vous donne les moyens puis après vous vous débrouillez, mais a posteriori, ex post, après que les progressions aient lieu, on a une capacité, si vous voulez, à avoir des progressions. Alors, c'est sûr que ce genre de politique ne manque pas d'effets pervers, hein, c'est-à-dire que ne s'agit pas de la perfection absolue, pas du tout. Il y a un travail de Régis Mallet qui a été publié en 2009, qui développe un peu cette idée des effets pervers de cette politique de No Child Left Behind, et qui notamment développe l'idée et le problème du teaching to the test. Le teaching to the test, c'est quoi ? C'est de dire,
si je vais être évalué, si les moyens que l'on me donne vont dépendre des résultats de mes élèves en maths et en lecture, je vais faire que des maths et de la lecture, et puis ils ne feront rien d'autre. Et puis, ils sauront très bien répondre aux tests. Est-ce que leurs acquis réels seront bien... Bon, il y a effectivement un problème potentiel là-dedans. Mais il n'empêche, hein, je crois qu'aucune politique n'a aucun effet pervers, hein, à ma connaissance, mais il y a tout de même là un potentiel de progression du côté des élèves. Et puis enfin, la lutte contre la ségrégation. Alors, j'ai pris l'exemple du busing parce que c'est un exemple, je dirais, là aussi très connu et idéal typique de ce type de questionnement. On lutte contre la ségrégation parce que la ségrégation en elle-même a des effets et accentue les inégalités scolaires. Alors, là aussi, je vous ai fait une citation. Alors, j'ai eu la faiblesse de me citer moi-même. Ça ne se fait pas en général, hein. Je suis vraiment désolé. Dans mon petit que sais-je sur les inégalités scolaires, dans leur synthèse, je dis, dans leur synthèse de 21 articles traitant de la question des effets à long terme de la déségrégation des écoles, Wells et Crane, 1994, montrent que les élèves noirs qui ont bénéficié de cette politique ont, toutes choses égales par ailleurs, des aspirations scolaires et professionnelles plus élevées que ceux qui n'en ont pas bénéficié. Leur synthèse montre aussi qu'à plus long terme, ces élèves atteignent un meilleur niveau scolaire, sont plus souvent insérés dans les réseaux sociaux et professionnels mixtes au plan racial et accèdent plus souvent à un statut de cadre et de profession libérale. Donc, bon, on pourrait citer beaucoup d'autres évaluations plus nuancées, etc., sur cette politique, mais il n'empêche qu'on a là, si vous voulez, une question qui nous dit, qui nous disent la ségrégation, ça agit sur les acquis, mais ça agit aussi sur l'accès à l'emploi, les réseaux. Hein. Si vous êtes pauvre et que vous connaissez que des pauvres, ben vous restez pauvre. Bon, voilà, je résume un peu, pardonnez-moi. Alors que si vous êtes scolarisé dans des établissements scolaires plus diversifiés, racialement, ethniquement, socialement, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances, je dirais, réussir dans la vie. Alors, je voudrais passer directement, pardonnez-moi, à la conclusion sur quelle action publique mener. Alors, c'est très difficile de conclure là-dessus. Moi, je me suis questionné pour conclure sur, en fait, pourquoi continue-t-on à faire de l'éducation prioritaire, hein, alors que tous les indicateurs, ou la plupart en tout cas, des évaluations montrent que ça ne marche pas bien. Alors, je n'ai pas vraiment la réponse, peut-être que lors des questions, on pourra y répondre. Ce que je voulais dire, c'est que on a vu que l'éducation prioritaire à l'européenne agissait sur des territoires, qu'elle était plutôt centrée sur les moyens, qu'il n'y avait pas d'obligation de résultat, qu'il n'y avait pas de lutte explicite contre la ségrégation. Et je pense que ces caractéristiques-là font partie des facteurs qui expliquent la non-efficacité de ce système. Alors, encore une fois, la question peut-être qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi continue-t-on dans ce sens, hein? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas autre chose? En France, en Angleterre, il y a des choses un peu différentes, mais en Belgique peut-être aussi. Je pense que c'est une vraie question parce que ça fait 30 ans, ou voire plus, 40 ans que l'on fait ce type de politique, sans pour autant que ça évolue à la hausse. Alors, voilà, je vous remercie beaucoup. Dans les domaines d'évaluation des projets sociaux, incluant bien sûr les projets éducatifs, l'on associe généralement les instruments de mesure d'efficacité aux instruments de pertinence, parce que l'on considère que les instruments de mesure d'efficacité consistent en des définitions des objectifs dans des bureaux, excusez-moi les termes climatisés, sans enquête transversale tenant compte des besoins réels des populations ciblées. Par contre, les instruments de pertinence qui ont fait du succès, beaucoup qui ont été très performants dans des pays caractérisés par des populations multiraciales, on tient réellement compte des besoins des populations ciblées. Alors, ma question est de savoir dans quelle
conditions vous associez ces instruments de pertinence par rapport à vos critères d'efficacité? Est-ce qu'on ne devrait pas parler de mesures de pertinence face aux inégalités? Alors, je réponds de suite ou il y a d'autres? Alors, merci pour cette question parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et il est vrai que la question des critères, alors, quand vous dites de pertinence, je comprends que ça renvoie à la satisfaction peut-être des usagers par rapport à l'école et puis plus particulièrement aux établissements labellisés éducation prioritaire. Alors, je ne pense pas, enfin, il y a peut-être des études là-dessus, je pense, parce que c'est effectivement extrêmement intéressant, mais c'est vrai que les indicateurs dont on dispose pour mesurer directement ou indirectement cette satisfaction sont plutôt négatifs que positifs. Ça, c'est ma première réponse. Et puis ensuite, alors, quels sont ces indicateurs? Par exemple, lorsque j'ai évoqué tout à l'heure, au travers de la citation de Pierre Merle que j'ai fait à propos des établissements réseau ambition réussite, c'est que très souvent, lorsqu'un établissement passe en éducation prioritaire, pas toujours, mais très souvent, il y a une perte d'élèves parce que un certain nombre de familles et donc d'élèves quittent ces établissements pour aller ailleurs, pour aller dans le privé, pour aller dans un autre quartier, pour aller dans un autre établissement, etc. etc. Ce qui laisse penser que le niveau de satisfaction, si vous voulez, des usagers, globalement, serait plutôt négatif que positif. Bon, cela dit, c'est un indicateur très indirect, hein, je vous l'accorde, et je pense que vous avez raison de dire que travailler sur la pertinence serait une très bonne chose pour voir surtout quels seraient les critères de pertinence que les usagers pourraient tirer. Cela dit, dans un système comme la France, mais aussi dans, par exemple, si on compare au système belge, dans un système comme la France, vous avez un système de carte scolaire. Donc, globalement, normalement et officiellement, que vous soyez content ou pas de votre établissement, c'est pareil. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Dans le cas belge, c'est très différent puisque vous pouvez choisir. Donc, effectivement, selon le contexte national, on peut avoir des cas de figure où la pertinence peut être plus ou moins grande en fonction des autres politiques scolaires qui sont conduites. Ensuite, deuxième élément de réponse, c'est que donner l'occasion d'ajouter quelque chose sur les ZEP, les REP, etc., c'est que certains, enfin globalement, c'est pas efficace, mais ça n'exclut pas que certains réseaux d'éducation prioritaire fassent mieux leur job que d'autres, soient plus efficaces que d'autres, fonctionnent mieux dans la coordination, par exemple, entre l'enseignement primaire et secondaire, fonctionne mieux dans la mobilisation des enseignants, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que globalement, les résultats ne sont pas convaincants, mais localement, ils peuvent l'être. Et que lorsqu'on évalue de façon, comme je l'ai fait d'ailleurs, je ferai mon autocritique, un peu trop globale les choses, on passe probablement à côté d'une partie de la réalité. Et qu'il serait extrêmement intéressant de voir comment fonctionnent et quels sont les effets de certaines ZEP ou certains établissements ZEP par rapport à d'autres. Et là, je pense que nous aurions probablement à la fois des résultats un peu différents, un peu plus nuancés, d'une part, d'autre part aussi peut-être des résultats qui nous permettraient de penser une amélioration globale du dispositif, parce que il n'est pas inintéressant d'étendre au niveau global des choses qui, au niveau local, fonctionnent. Donc je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question, mais voilà un peu ce que m'évoque votre questionnement. Alors moi, je voulais, si je peux me permettre, tout simplement nuancer un peu le propos que vous avez avancé par rapport à No Child Left Behind. Tout d'abord parce que, derrière Gamera, il y a toute une série d'études, c'est un sujet très polémique, effectivement, oui, le fait de savoir si
les dispositifs d'accountability tels que No Child Left Behind ont effectivement contribué à améliorer ou pas. Mais alors, au-delà de ça, le problème, de nouveau, c'est le problème des indicateurs qui sont utilisés pour évaluer justement l'efficacité ou non d'une politique telle que No Child Left Behind. Oui. Et là-dessus, effectivement, on se base généralement sur les résultats scolaires des élèves, généralement le pourcentage d'élèves qui sont au-dessus du seuil de réussite. Et là, de nouveau, même dans les études qui concluent effectivement à des effets positifs de ces politiques-là, il y a non seulement le problème du teaching to the test que vous avez déjà mentionné, donc le fait qu'on travaille davantage sur les contenus de l'épreuve, mais il y a aussi toute une série d'autres effets pervers que je qualifierais de vices de procédure qui permettent d'exclure, on va dire, les élèves les moins performants des résultats qui sont utilisés pour la reddition de comptes. Et donc là-dessus, il y a le placement en éducation spécialisée aux États-Unis. Il y a aussi l'utilisation abusive du redoublement, en quelque sorte, qui incite aussi à l'abandon scolaire des élèves les moins performants. Enfin bref, toute une série de comportements qui se cachent derrière ces résultats, qui permettent de sérieusement mettre en doute l'efficacité des politiques de reddition de comptes aussi sévères que celles de No Child Left Behind. Alors, merci. C'est vrai qu'il y a un vrai débat là-dessus. Il y a un vrai débat. Et c'est intéressant à plus d'un titre. Parce que, effectivement, cette politique No Child Left Behind a des effets pervers. Effectivement. Mais la politique de l'éducation prioritaire a aussi pas mal d'effets pervers. Je veux dire par là que. Comment vous dire presque, je dirais. Comment dire, quand on a une attitude de chercheur, si vous voulez, évidemment, on cherche tous les éléments qui vont permettre de comprendre comment fonctionne et quels sont les effets d'une politique ou de quelque chose comme ça. Bon. Mais évidemment, les résultats que l'on produit ne vont jamais être tout blanc ou tout noir. Mais par exemple, je me suis posé une question. Est-ce qu'il y a des articles qui établissent que l'éducation prioritaire a des effets positifs en termes d'acquis sur les élèves, etc. S'il y en a, ils ne sont pas très nombreux. Pour No Child Left Behind, il y en a quand même, c'est un débat, on discute, il peut y avoir des effets pervers. Il n'empêche que, il me semble, que globalement, ça a pu améliorer des choses, et notamment le fait de se centrer sur l'éducation, sur les acquis des élèves. Ça a quand même un point positif, c'est que cela permet en partie aux élèves d'apprendre. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas le paradis de l'éducation, on est d'accord, mais le paradis d'éducation, il me semble que ça n'existe pas. Donc, mon point de vue, mais je comprends le vôtre aussi, mon point de vue, c'est de dire, on ne peut pas se contenter de dire il y a des effets pervers dans tel ou tel type de politique. Il faut aussi, d'abord, premièrement, lorsqu'il y a des effets pervers, on peut aussi les corriger. C'est-à-dire que ça ne remet pas obligatoirement en question l'ensemble d'une politique. Si on dit les enseignants enseignent uniquement ce qui doit être testé dans le test, bon, ça peut poser un problème de limitation des curriculums, c'est vrai. Ça peut aussi, on peut aussi peut-être imaginer des dispositifs qui contrent ce type d'effets pervers. Donc, mon point de vue, c'est que on a tout intérêt, lorsqu'une politique telle que l'éducation prioritaire marche mal ou pas trop bien, d'aller voir ailleurs ce qui se fait pour essayer de s'en inspirer. Ce qui ne veut pas dire, je ne dis pas qu'il faut appliquer No Child Left Behind en Europe, en France, en Belgique, etc. Ce qui me semble important, c'est que on peut voir et on peut observer des politiques différentes qui peuvent définir des pistes de réflexion qui sont quand même pas si négligeables que ça. Bon, voilà un peu mon propos. Mais sur le fond, ce que vous dites aussi sur ce que l'article de Gamoran et puis sur d'autres travaux, vous avez raison. Il y a un vrai débat là-dessus. C'est exactement la même chose que pour les marchés scolaires. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de travaux vont vous montrer que
ça a des effets extrêmement négatifs, d'autres que ça a des effets positifs. Donc c'est un débat qui, me semble-t-il, est encore un débat en cours. Je sais que vous faites votre thèse là-dessus, alors. Donc, vous en savez plus que moi. Peut-être que la différence, oui, c'est qu'à certains endroits, on prend en sérieux l'efficacité des politiques et qu'on interroge l'efficacité de ce qu'on met en œuvre, alors que chez nous, le sentiment que j'ai en Europe, c'est que finalement, on ne prend pas tellement en sérieux l'affaire. Si on se dit, on donne, et puis on imagine mal qu'on demande des comptes sur une politique qui s'adresse à des moins favorisés, et il serait indécent, et je pense que c'est souvent la discussion, il est assez indécent d'oser discuter finalement de l'investissement et de l'efficacité d'une politique qui vise une population défavorisée. Oui, moi je suis d'accord, c'est-à-dire que, en quelque sorte, si on était extrêmement critique avec l'éducation prioritaire, on se dirait, c'est une façon de se donner bonne conscience. D'accord ? C'est-à-dire que on va surtout pas mesurer ce qu'apprennent les élèves, on va pas trop demander aux profs de les faire progresser, on va donner plus de moyens. Vous voyez, on donne plus de moyens pour les plus défavorisés. Voilà, donc écoutez, on est quitte avec la morale et avec la justice. Moi, je trouve que no child left behind, bon, au moins, on se donne un objectif qui est tout de même que les élèves progressent. C'est peut-être un aspect qu'il serait intéressant d'étudier, enfin, de prendre en compte pour peut-être faire en sorte que l'écart et les inégalités soient moins fortes. Bon, voilà. Évidemment, ça questionnerait l'organisation du système. Chez nous, par exemple, la liberté d'enseignement et l'organisation sur base d'un quasi-marché. Ouais. Mais donc, on aurait sans doute encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les politiques d'éducation prioritaire, comme sur tous les sujets qui ont été abordés par Georges. Il faut s'arrêter un jour et un moment, donc je crois que ça sera ce moment. On va remercier Georges pour les 5 leçons qu'il a bien voulu donner. Merci beaucoup. Georges.